écoute ça. Gadian musique locale, découverte ou redécouverte d'un artiste ou d'un groupe. Alors, Génie, vous êtes la seule fille, oui. Si je ne me trompe pas, normal, dans ce collectif. Alors, comment Manel est avec vous, pas trop méchant? Fais pitié, moi, quand tu peux faire bien ça, normal, laisse-moi tout seul, c'est pas possible. Non, ça va, franchement, Manel est au petit soin, dès que Manel a un doute, dès que je stresse, ouais. Il connaît que, voilà, mais il peut compter sur Manel, au pire, il est sur Anne, c'est l'autre, ouais. C'est plus Manel, je suis bien, en fin de compte, que moi, en fin de compte. Non, mais elle est agréable vraiment, et c'est qui prend soin de moi, la seule fille, quoi. Bien sûr, là où les difficultés. Ah, c'est ça. Rappelle-moi le prénom. Yannick. Alors, Yannick a aussi fait partie donc, de ce groupe-là. Qu'on fait dans le groupe? Alors, moi, je suis chanteur. Chanteur? Chanteur, ben voilà. Comment on arrive à la musique? Oh, ben, depuis tout petit, au conservatoire, moi, j'ai toujours été passionné, et voilà, on m'a inscrit. C'est quoi le style de musique où je chante? Alors, moi, c'est plutôt du R&B. Moi. R&B, ouais. D'accord. Et Génie? Ah, un petit peu de tout, selon le moment, mais après, il est vrai que les plus portées par les chanteuses comme Marie-Catherine, c'est l'idiot, voilà, les gens, voilà, que, mais après, il reste un peu porté en fonction du moment, quoi, de ce que nous ressent, donc c'est un petit peu de tout. Et Anthony? Ah, moi, bah, ma fée, ma passe par tous les styles musicaux, on va dire, parce qu'on m'a fait de Malouya, on m'a fait de rock, on m'a fait un tas de affaires, on m'a fait la chorale, mais dès que m'a découvert le rap dans les années 90, elle m'a encouragé à moi d'écrire des textes, parce que ça qui compte le plus pour moi, c'est vraiment la qualité des textes que Miss écrit. Est-ce qu'il fait partie de rêve un jour d'aller pouvoir chanter de l'autre côté, soit la meilleure comme petit créole? Honnêtement, comme il dit à chaque fois, m'y réfléchis pas dans le temps, m'y vive au jeu, le jeu, s'il arrive tant mieux, s'il arrive pas, tant pis, peut-être va arriver plus tard, mais après, oui, il fait toujours plaisir, dit où ça la meilleure. C'est pas priorité, voilà. Voilà, nous va voir comment il arrive. Et il y a Yannick, c'est ça, hein? Oui, Yannick, c'est quoi de ressenti là quand on entend madame chanter comment, alors? Ah, mais toujours pareil, hein. Toujours autant d'émotions, toujours autant de frissons et puis beaucoup de fierté aussi. Oui. Est-ce qu'on conseille à elle des fois pour les positionnements de voix ou dit tiens, dis ça comme ça, ce qui arrive? On travaille beaucoup en collaboration. Ouais. Donc je lui donne des conseils, mais elle aussi me donne beaucoup de conseils. Voilà. Oh, elle est trop mignonne. Et à où du coup, Anthony, qui s'est donné nos conseils? Non, mais après, comme tous les rappeurs, on essaye inspirant-nous de ça que nous découvre. En plus, maintenant, avec Internet, on a YouTube, on a des chaînes comme ça, on découvre des nouveaux sons, des nouveaux rappeurs, des nouveaux artistes, des nouveaux styles, tous les jours. Donc, c'est ou imprégnable de ça, et puis après, on essaye créer notre propre style en dedans, quoi. Est-ce qu'on pense que le rap commence vraiment à être, on va dire, reconnu? Parce qu'à un moment donné, les gens n'est pas vraiment le rap. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plus Sega. Sinon, toujours pas. Mais après, j'espère que par rapport à l'album que nous a fait, qu'il peut changer. Parce que disons que dans l'album que nous a fait, nous a pense produit un album que tu es plus ouvert au public. C'est-à-dire, on a des thèmes que tout le monde est gagné ressenti à autres dedans. Et que sur tous les passables sur les radios, parce que pas tous les raps nous peuvent passer. Nous a pris vraiment le soin de faire un train qui permette d'installer un petit peu le rap dans le monde musical de La Réunion, et après, peut-être, après chacun, il ira faire son carré dedans. C'est où l'a écrit la chanson qu'on a chantée tout à l'heure, là? Elle? Oui. C'est où même l'a écrit? Nous l'a écrit en collaboration avec Yannick. C'est pas la première fois que nous faisons de collaboration. Je me rappelle quand il y avait 12 ans, nous t'es. C'était loin, hein? Nous t'es une chanson déjà, ouais, mais là-dessus, nous a décidé de mettre l'accent sur.
sur le respect qu'on doit à la femme, parce que nous avons remarqué que la Réunion, mais même partout dans le monde, bah, les femmes, un petit peu, ouais, cette image un peu galvaudée, c'est pareil, ouais. Les hommes, ils profitent seulement, ils mettent les femmes dans les clips à moitié tout nu, machin, tout ça, et nous t'es voulu monter notre image de la femme à travers la chanson là, et bon, on pense que avec la voix d'Yannick dans le refrain, ouais. Ils mettent bien dans l'ambiance, voilà, bien réussi quoi. Vous avez fait des clips ou pas là? Oui. Oui, oui. C'est, alors. Bah toi ou moi qu'on va entendre tout à l'heure. D'accord. Après nous on a un morceau collectif de ce, parce que c'est nous présente tous les artistes de l'album. Ouais, on a 10 artistes et chacun il fait 8 mesures pour présenter Azad. Bah c'est un train qui tourne sur YouTube aussi. D'accord. Voilà le visage comme ça les belles ouais. Qui bien sûr. Ouais. Et après nous on a fait un montage vidéo d'un morceau qui appelle le lendemain qui déchante. C'est un constat que nous a fait parce que nous a assis un peu à la fin de l'année 2016, nous a vu toutes les catastrophes que l'a eu les. Mais ça veut pas dire catastrophe, toutes les violences que l'homme l'a engendrées et nous a voulu faire une chanson là-dessus et nous a fait un montage vidéo où ça nous a repris des extraits de journaux télévisés, tout ça. Et bon, ça veut pas dire âme sensible, ça se tenir, mais c'est un peu ça. Le clip est vraiment difficile. Où ça se l'a enregistré l'album? Alors au départ, nous l'avions enregistré dans le studio 21, la plaine des CAF là-haut. Après, nous avions un petit souci par rapport à les voix et tout, donc on a été obligé de rapatrier à nous dans le studio de Dioxine Production à la Chaloupe Saint-Leu. D'ailleurs, c'est loin, non? Oui, c'est loin. Comme il dit, c'est un train collectif, c'est un train collectif, oui. Vraiment. Donc, il a fait l'enregistrement, mixage, mastering, réalisation, voilà. C'est Monsieur Plus. Combien de temps ça a pris au moins là? Une dizaine de mois. Une dizaine de mois. Mmh. C'est vrai. Mais là, c'était tous les personnes qui font partie du collectif étaient présents à chaque fois que l'avait l'enregistrement. Bien, chacun son tour. Ben, disons que nous avions formé un bon noyau. On a 5-6 artistes et là quasiment tout le temps. Après, on connaît, c'est un projet collectif. Des fois, on a un peu, ils mettent notre projet solo en avant. Donc, vous allez bien quand vous allez peu. Mais là, on avait quand même un bon noyau. Et quand nous avons fait les enregistrements, ouais, on avait une bonne ambiance quand même. Voilà. C'était super. Mmh. Bien, reviens un petit coup avec Génie, est-ce que où et Yannick, tu chantes ensemble? Ah, là, oui. Des chansons que ça se interprète avec? Oui. Il y en a un de, sur l'album, il appelle Chacun pour soi. Ah, qu'est-ce qu'il parle là-dedans? Ben, nous dénonce, nous dit à chaque fois que, en fin de compte, ben, nous pense rien qu'à nous l'égoïsme. Mm-hmm. Mais... Elle est vraie. C'est ça, et du coup, ben, voilà. Vous avez écrit à deux? Oui. Enfin, à deux, non, mais... Nous l'avons à trois à la base. Oui, Dioxine, oui. Justement, d'accord. La et ça te l'a arrangé. Donc, ouais. Il chante, il rappe, il fait tout. Il multitâche, il danse, il fait tout. Et il est vrai que bah, nous discutons entre nous. Ouais. On dit oui, voilà, nous voyons les choses comme ça. Nous, et puis, et au fur et à mesure, on écrit quoi on pense, ouais. On atteint quoi on pense. Super. Il était vraiment un travail d'équipe, quoi. Donc, voilà. Nous écoutons un extrait. Explose et dans nos psychoses, tout est rouge, j'en fais une overdose. Mais dès que j'expose des mots plus, personne ne décroche. C'est comme ça que je coche les faux et supprime. Tout le monde brille, certains sont remarqués. Qu'importe que d'autres souffrent, le but est de penser à soi-même. Chacun pour soi. Oui, rester dans le vrai. Il nous faut au moins ça pour gagner le combat. Oui, rester dans le vrai. C'est le seul moyen d'avancer. Un petit pas pour toi, un grand pour l'humanité. À la fin, dis-moi, on a des projets. Oui, en fait, nous les sur un spectacle que nous aimerions produire un maximum, quoi. On a travaillé d'arrache-pied pendant les vacances de janvier, là, parce qu'on était en vacances en janvier. On a fait une. Là, là, hein. Bonjour la partie. La plateforme. C'est la même. Ouais, c'est la même justement pour travailler l'album, enfin, ouais. le spectacle. Une trentaine d'heures de répétition pour faire un spectacle où ça a quasiment tous les morceaux de l'album dedans, avec la compagnie de DJ Mike. Un DJ que tu exerces dans une grande boîte du sud de la Réunion. Hein. Et après, on a des danseurs. Voilà, on a essayé de faire un show vraiment complet. Et donc ça, c'est en projet, ça? Non, le train, les quasiment les prêt. Mafin fait deux concerts, d'ailleurs, en showcase à la FNAC. Pour présenter la sortie de l'album. Et voilà, bah, nous attend bah, tout ça qui veut produire à nous sur le spectacle-là, parce que nous pensons que par rapport à l'image de rap, c'est un spectacle vraiment familial, tout le monde reconnaît Azad dedans, et nous aimerait, si on a l'opportunité, bah, développer le spectacle avec un public. Quoi. Vous êtes page Facebook? Oui, il appelle Le Monde d'aujourd'hui. Il tape Le Monde d'aujourd'hui, oui. Il trouve alors. Il trouve. C'est pas 974 alors? Non, nous avons choisi de mettre le titre de l'album en avant parce que c'est un projet qui tient à nos cœurs en fait. D'accord. Mais vous avez des pages Facebook personnelles, comment? Oui. Qui donne? Yann Génie.
Voilà, c'est une Yann Génie. Génie, c'est un compte commun. D'accord. Donc les gens, ils peuvent contacter Azote. Ils peuvent demander à Azote des petits conseils et tout. Oui, bien sûr. Tu peux les pas bloquer. Tu peux racheter un allié, la joue. Nous, quand même, pas farouche. C'est quoi votre rapport avec les autres rappeurs de La Réunion? Est-ce que vous en avez des connaissances? Oui. Ouais. Sur le projet collectif là, nous invitons une dizaine de rappeurs, mais nous connaissons d'autres. Nous connaissons d'autres que nous n'a pas encore véritablement proposé sur ce projet, mais nous avons d'autres projets. Et il est vrai que le monde du hip-hop est assez souterrain. Mais c'est des marmailles, tout le monde connaît l'un et l'autre, quoi. Donc voilà, nous accès sur des gens qui sont plutôt dans Est, Sud, Ouest. Mm-hmm. Mais nous connaît pas mal de monde sur le Nord. Peut-être s'il y a un projet numéro 2, nous invite d'autres artistes. Ah, ce serait une bonne chose, hein. Mm-hmm. Mais il faut tout le monde tient à autres prêts. Alors, rappelle-moi un petit coup, l'association des clics, Alice, son but, c'est quoi? Ben, c'est de promouvoir, produire les artistes qui sont dans la tendance hip-hop. Voilà, donc si quelqu'un il veut justement participer à ce projet-là, il peut contacter à ce projet. C'est ça, il contacte à nous par le biais de la page Le Monde d'aujourd'hui. De toute façon, on est connecté dessus tous les jours. Ça ne veut pas dire 24h sur 24. Ou sinon, un mail, si je ne veux pas donner le numéro de téléphone, vous en avez un mail? Le mail ne dérange pas, on peut donner le numéro. On peut donner le numéro, on sait jamais. 0692 13 92 37. Voilà, donc c'est un numéro qui peut être utilisé aussi s'il a besoin de autres pour chanter. C'est ça, hein? C'est ça, voilà. Nous arrivons à la fin, après on va revenir vers Eugénie. Génie, pardon. Qu'on voudrait rajouter, Anthony? Non, même il voudrait juste remercier les auditeurs de Radio Salas d'accorder un petit peu de temps pour écouter à nous. Voilà. Et donc pour nous, c'était un plaisir de venir un petit peu dans les hauts, prendre un bon bol d'air frais. Un haut prend bol frais. Et après, on m'en lâche le moins. et que nous voulons dire, nous passe un petit big up aussi à tous les artistes qui là participent à l'album là dans le collectif. Et puis surtout à Claude Mussard, Coco, parce que nous connaît que s'il n'était pas là, on n'aurait pas pu faire ce projet. Nous rappelle donc, vous étiez à plusieurs, et il y en a 16 titres, micro, non? 15 titres, voilà, je t'aime. Non, c'est que là, on a trop de danse, pour ça. Ah, d'accord. Donc, on a 15 titres, et où ça, les gens, ils peuvent trouver cet album-là? Dans tous les distributeurs de Lille, voilà, principalement la FNAC, et d'autres distributeurs que... D'accord. Cela mis en vente sur Internet aussi ou pas? Aussi, oui. Clique 974 United, Le Monde d'aujourd'hui. Et après, vous trouvez sur Deezer, sur Amazon, Spotify, Google Play, iTunes. Il y en a un tas de plateformes, gars, pas si tôt. Je vais remercier Anthony. Allez, nous reviens via Yannick d'abord. Ah, oh, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter pour terminer? Ben, je voudrais vous remercier. C'est gentil. Te remercier. C'est gentil. Oui, parce que pour la bonne humeur et voilà, ça fait plaisir. Et aussi un remerciement à tous ceux qui aiment la musique et à tous les passionnés. Voilà. Merci à toi. Et maintenant, nous revient Virginie. elle est souriante comme ça tout le temps. Un petit comique, non? Non, je ne vois pas trop. Dis-moi, parle-moi de la chanson. Alors, on dit comment, Babies? Babies, ça, même Babies, en fin de compte, moi, ça fait un résumé global. Oui. À la base, tu ne dois pas être dessus. Moi, elle a eu un coup de cœur. Moi, elle a demandé même s'il n'est pas dessus l'album, est-ce que nous peut prendre? Elle a dit, moi, elle prend. Et moi, elle a voulu vraiment, en fait, que le coup de cœur, il partait de là. C'est que moi, elle a été inspirée sur le fait que, ben, justement, par rapport au respect des femmes, donc Nena, elle, Nena, toi, moi, et elle m'a dit, ben oui, mais commence à un moment donné, commence avec une petite fille, sinon, on passe d'autres exemples. Oui. En grandissant, on n'aura pas de respect pour ça. Ouais. Donc, elle a voulu mettre ça en avant dans la chanson, tout en sachant que m'a demandé que WN y accompagne moi dessus, plus un autre rappeur que n'est pas là aujourd'hui, puisque il a des obligations, il appelle Sweet J. D'accompagner moi sur le morceau, et puis voilà, nous l'a construit le petit morceau comme ça. Et depuis tout à l'heure, nous parle d'écriture, mais qui c'est qui compose pour vous autres au fait? C'est chacun composé? Alors, MC Léo l'a fait le. MC Léo, c'est donc Anthony. Voilà, Anthony. On travaille en collaboration avec Coco sur le projet, tout ce qui dit composition. Donc, s'il a fait les arrangements pour qu'il rende le train un petit peu plus hit, c'est-à-dire. Et du coup, il donne un joli mélange, voilà. Très très joli. Alors, vas-y, nous va terminer avec la chanson Babies. Merci à vous. Génie, on rajoute quelque chose? Mais remercie à vous, mais remercie le technicien, mais remercie MC Léo et Coco, parce que c'est ça qui fait les démarches pour. Mais remercie mon monsieur, mais remercie toutes les mounies qui t'a nous. Et me fait un petit bisou à mon petit chéri Douda Mouadeux. Qui est de l'autre côté là-bas. Et un gros big up à toute l'équipe que n'a pas pu être présente aujourd'hui. Merci encore, nous terminons notre gadium avec la voix de Génie. Mi remercie Anthony, mi remercie donc Yannick, double N. Yes. Ah, vous rappelez-moi un petit peu. Merci Léo.